de rochers, de chênes bordures, que le cœur des pierres ait traîné ce bois au creux des rochers. Nous avons taillé à coups d'herminet, et pendant 10 ans, jamais fatigué, la plus grande des grandes goélettes qui n'eut jamais peur, jamais navigué. Nous étions 500 parmi les plus sages, parmi les plus fous, parmi les plus forts, pour former le plus beau des équipages, unis pour la vie, unis pour la mort. Nous allions chercher la fleur d'espérance qui en ce pays ne s'ouvrait jamais. C'est pourquoi le jour de notre partance, un peuple était là qui nous acclamait. Nous avons forcé tous les vents contraires, tous les calmes plats et tous les courants sur notre bateau extraordinaire pour aller plus loin que les conférences. Nous avons touché bien rivage de la Croix du Sud au Septentrion, sans jamais trouver au bout du voyage que la fleur fanée des désillusions. Nous avons visé beaucoup trop d'étoiles pour aller sombrer dans le front des nuits. Notre goélette a toujours ses voiles et nous revenons vers notre pays. Nous avions laissé un peuple en délire qui croyait en nous et nous retrouvons un pays désert où le vent déchire depuis bien longtemps de vieux pavillons.